OK, donc on va faire la fameuse vidéo que je vous avais promis. Donc moi, qu'est-ce que je pense faire? Ça va être ce style de vidéo-là. Jusqu'à temps que ça soit un peu remis à l'ordre. Donc je vais vérifier pourquoi ma chaîne n'est pas admissible à faire un live, qu'est-ce qui manquerait, etc., etc. Mais là, c'est pas qu'est-ce qui est important, parce que là, on va parler de make-up. Ça fait tellement de temps que je vais parler make-up avec vous. Ok, je vais parler make-up, skincare. Bref, je vais vous montrer des articles, donc des make-up, skincare et autres. Il va y avoir aussi des access. Dans le fond, que vous trouvez à grande surface, pas trop cher. Donc, il va y avoir des articles. Je pense que c'est facilement. Tout va être moins de 20 $. Donc, j'ai des articles vraiment à 3 $. J'en ai. Je pense que le moins cher est 3 $ dans ce que je vais vous montrer. Mais c'est vraiment des trucs grande surface, vraiment pas cher. Donc c'est une vidéo bougie, like budget, ou whatever it is. C'est vraiment une vidéo vraiment truc pas trop cher, mais qui vaut la peine. J'ai mis coup de cœur dedans. J'ai découvert des coups de cœur. J'ai testé certaines choses. Donc je suis prête à vous montrer des trucs que vous savez un peu. J'ai essayé de pas trop. Montrer des trucs que j'avais déjà montré parce que sinon ça va donner redondant. Ok, je sais. Donc, j'ai hâte de parler. Je vais directement passer au vif du sujet. Donc, là, on va passer avec les skincare parce que j'en parle pas vraiment. Puis, justement, vu que j'ai ce format de vidéo-là, je vais faire en sorte de faire des skincare pour vous. C'est pas parfaitement ce comme je voulais, comme j'avais pensé à faire. Mais, vu la situation, on va essayer de prendre ça cool et relax. On va faire ça comme ça. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est deux fameux skincare ici que j'ai trouvé, by the way, au Dollarama. Ils étaient, ça, je pense que c'était 3. Puis ça, je pense que c'était 2 $, si je me trompe pas. Ils n'ont pas gardé les étiquettes de prix en arrière. Mais c'est des vraies marques qu'on retrouverait normalement dans les pharmacies. Donc, c'est Bioré. Puis, celle-là, au début, je vais pas vous mentir, je l'aimais pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Dans le fond, celui-ci, c'est une eau micellaire nettoyante au bicarbonate de soude. Donc, c'est un 300 ml. Et ici, on a un nettoyant au bicarbonate de soude également, mais c'est pour les pores. Donc, ils disent que ça pénètre les pores et exfolie la peau en douceur. Ça, je vais pas vous mentir, c'est vrai. C'est vraiment, si vous entendez bicarbonate de soude et que vous avez un peu peur en pensant que ça va pas très bon et tout, ou que ça va comme. Si j'avais mis une mise en garde, comme que ça pouvait endommager si on frottait trop, celui-ci, il donne pas ce problème-là. Donc, j'avais fait une vidéo qui parle. C'était mon dernier, ma dernière vidéo DIY. Je sais même pas si je l'ai postée parce que je pense que c'est elle que je l'ai postée, by the way. Mais j'ai fait une vidéo, je pense que je n'ai pas posté. Mais je parlais justement de tout ce qui est bicarbonate de soude. Et le bicarbonate de soude est très 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 bon pour la peau. Il exfolie super bien. Puis celui-là, il est vraiment doux. Donc si vous avez la peau sensible, je pense vraiment qu'il va être correct. Donc ils disent que ça, dans le fond, c'est un exfoliant en douceur. J'approuve. Ils disent dans le fond qu'il déloge la saleté et les impuretés des pores. Il sèche les cellules mortes et redonne une peau lisse qui respire en santé. C'est vrai que la peau est super lisse après d'avoir utilisé ce fameux produit-là de Bioré. Et après ça, on va retourner avec le fameux micellaire. Donc ici, dans le fond, ils disent que c'est un tout en un. Dans le fond, qui démaquille, qui nettoie en fait à fond et laisse libérer les pores. Et c'est sans rinçage. Ok. Lui, au début, la première fois que je l'ai senti, que je l'ai mis, j'ai senti mes pores ont ça aspirait le tout, puis j'étais comme oh my god, ok, non, 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 j'aime pas. Puis on dirait que comme ça pénètre tellement dans ta peau, t'es tellement pas habitué de cette sensation-là que je pensais que ça allait irriter ma peau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'étais comme ok, je vais nettoyer ma peau et je vais l'utiliser comme toner. Et là, ma peau s'est un petit peu plus habituée, puis j'ai pas ressenti le même effet de. C'est par la peau, puis j'avais pensé que ça allait devenir sec et tout, mais ça n'a pas fait ça. Mais je continue à l'utiliser comme toner et parfois non. Parfois, dans le fond, je me démaquille le visage, puis je le nettoie mon visage avec quand j'ai vraiment pas le temps, puis je suis fatiguée. Je sais que c'est pas nécessairement à 200% recommandé, mais je préfère au moins me démaquiller le visage que dormir avec full make-up comme ça et me réveiller comme ça. Ça, c'est la pire chose à faire. Donc, lorsque je peux vraiment, vraiment pas
me laver le visage avec de l'eau et du savon. J'utilise ce fameux produit-là, je trouve qu'il nettoie vraiment bien. Puis tu sens, comme ils disent là, tu sens vraiment que tes pores respirent. Puis c'est ce que j'aime. Fait que j'ai l'impression de vraiment nettoyer en profondeur. Donc c'est pour ça que je l'aime, ce fameux produit-là. J'ai l'impression que c'est un produit qui va être discontinué. J'ai l'impression. Je sais pas si c'est vrai. Mais si vous le trouvez, mais c'est écrit nouveau. Enfin, tu sais, je sais pas. Parce que Dollarama, parfois, ils prennent les anciens produits, même si c'est écrit nouveau. Ça fait des années qu'ils sont là, ou ça fait un certain moment donné. Bref, je vais voir si c'est possible de trouver ceci dans les crèmes sans fer. Je vous donnerai des nouvelles. J'ai oublié de vous dire que ceci, c'est pour. Ils disent que c'est idéal en fait pour les peaux mixtes. Donc en ce moment, moi, j'ai la peau mixte à gras. Cet été, ma peau va probablement vraiment être juste grasse. Mais je voulais juste le mentionner. Celui-ci, dans le fond, ça le dit pas. Ah oui, ça dit, excusez-moi. Ils disent que c'est idéal aussi pour les peaux mixtes. Donc les deux, c'est formule peau mixte. Donc je m'excuse. Donc voilà. Après ça, un autre petit chouchou que j'ai vraiment, vraiment aimé, dans le fond, c'est ce fameux produit-là. En fait, j'ai comme quasiment divisé le tout. Ça fait un bon petit bout que je l'avais, mais que je n'avais pas ouvert l'emballage. Il était là, mais je n'avais pas ouvert. Donc là, je l'ai ouvert et j'ai utilisé le produit. Dans le fond, c'est Physicon Formula et c'est Skin Booster Vitamin Shot. Dans le fond, ils disent que c'est éclaircissant. Moi, je ne sais pas marqué, ça m'a éclairci le visage. C'était pas pour ça. C'était vraiment parce que j'ai lu Skin Booster Vitamin Shot. Et je ne sais pas si vous pouvez voir ici, mais il y a des petites particules à l'intérieur. C'est comme si ça exfoliait, puis on dirait que ça laisse des. On dirait que c'est là qu'il y a les vitamines C, on dirait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis j'adore, je sais pas. J'arrête pas d'utiliser ces temps-ci. C'est quelque chose que j'adore. Je trouve qu'il illumine vraiment bien mon visage. Je me sens hydratée. Je sens pas que c'est trop graisseux, trop huileux. Bref, en ce moment, c'est mon coup de cœur. Il est juste génial, idéal. Donc c'est celui-ci. Désolée qu'il est un peu sale. La caméra va peut-être pas faire un focus. Je m'excuse. Ok, donc là j'ai fini avec les skincare. Je vais passer avec mes quelques chouchous à grande surface. Je suis un petit désolée de vous montrer ceci, mais si je mets de l'emphase, c'est pas pour rien. Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui en parlent maintenant. Fait que je suis super contente parce que c'est un peu. En fait, ça approuve un peu ce que je pensais. Donc je vais vous reparler de ça parce que j'ai déjà parlé, mais il faut vraiment que je le fasse parce que je ne peux pas passer à côté. C'est pas cher, c'est à grande surface. Donc c'est le fameux Maybelline Fit Me. Donc c'est la poudre libre, c'est la poudre libre, mais c'est deux finitions. Donc faites attention, vous avez mis la petite avant-garde. N'oubliez pas, moi je vous conseille de le mixer avec un autre ou de mettre une petite quantité parce que quand vous en mettez trop, puis on prend une photo avec un flash, c'est dead. Tout l'espace que tu as mis, ça là, on va le voir, c'est dead, dead ou de dead. Mais sinon, oh my god, les filles, il est génial. Aujourd'hui, je l'ai utilisé pour faire mon live, en fait, sur Adji. Je l'adore, je l'adore. J'en ai trois comme ça. J'en ai une qui c'est exactement pile poil ma couleur de peau. Celle-ci, c'est la 30, c'est la moyenne foncée. J'utilise vraiment parce qu'elle est un peu plus claire que ma peau. Donc, j'utilise vraiment pour illuminer. Je fais la technique de strobing. Puis, j'en ai un plus foncé, vraiment plus foncé. Parfois, je fais juste le mettre un peu plus dans les zones où ce que j'ai. Alors, je fais mon teint pour donner un petit peps. Ça, c'est des bravos. En plus, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous pouvez aller la visionner si ça vous intéresserait. Okidou. Après ça, on va rester dans le Maybelline. Dans le fond, c'est ce fameux-là que j'ai découvert, ce fameux produit de fond de teint. Encore une fois, de Maybelline. Oui, j'adore Maybelline. C'est une gamme, en fait, que je trouve à grande surface qui fait mon bonheur. C'est Maybelline puis L'Oréal. Mais bref, je ne rentre pas dans les détails, mais moi, c'est ça personnellement. Donc, Maybelline, celui-ci, c'est un fond de teint. Puis, qu'est-ce que j'aime avec ce fond de teint-là? C'est que, encore une fois, maintenant, j'ai remarqué que les fonds de teint font vraiment ça. C'est d'avoir le sentiment de ne pas porter de fond de teint. Puis, c'est quelque chose que j'aime personnellement. Celui-ci, c'est vraiment ça qui fait. Mais il y a un petit plus, en fait. Le petit plus, c'est que, dans le fond, il y a de l'acide hyaluronique et du collagène. Donc, l'acide hyaluronique, c'est une molécule. Bref. Ça, quand tu vois ces raisons-là, tu sais que ta peau va rester hydratée. Donc, si vous avez vraiment une grande sécheresse au niveau de la peau, c'est très difficile pour vous. Et en plus, on est dans une période qui. On était dans une période un peu plus froide. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous pouvez toujours utiliser ce fameux fond de teint-là.
Et le collagène, parce que le collagène est là et on le reconnaît pour l'élasticité, etc., etc. Donc, c'est ça que c'est les deux, en fait, ingrédients qui sont quand même assez intéressants. Et aussi parce que l'application se fait bien, parce que c'est Maybelline, parce que la couvrance est assez moyenne, je vais pas vous mentir. Mais un truc pour tous les jours, moi, je vous recommanderais à 200%. Sincèrement, moi, j'ai aucun problème, sauf que la couvrance est vraiment moyenne. La couvrance n'est pas. C'est pas une couvrance totale. Si vous voulez une couvrance totale, moi je vous conseillerais d'aller dans le Super Stay. Je vais vous montrer. Si vous voulez une couvrance quand même assez un peu plus chargée, tu vois, parce que tu veux que ça couvre, qu'est-ce que ça a à couvrir, c'est correct. J'en ai un pour toi, toujours de Maybelline. Donc celui-ci, c'est le Super Stay. Donc c'est une couvrance complète et c'est. Ça tient jusqu'à 24 heures. Moi, c'est toujours tout ce qui est coco et tout. Donc ça, c'est le 356. Et celui-là, c'est noix de coco. C'est le 525 pour le Dream Radiant Liquid. Dream Radiant Liquid. Et c'est là le Super Stay. Donc ça, c'est les fonds de teint que je vous recommanderais pour, en tout cas, ces temps-ci, là. Que moi, je recommanderais. Belle les suites, j'en ai parlé, reparlé, je vais vous reparler de ça, je vais vous taquiner, mais c'est pas de ma faute. Il est à grande surface, puis il fonctionne bien, puis je l'adore. Je l'adore. Genre, je l'adore. J'en ai acheté un autre, genre, qui va être mis de côté, parce que l'ancien est fini. Bref, c'est le fameux anti-cerne de CoverGirl. Donc, c'est celui qui ressemble vraiment à Tarte, donc le shape. Tape. Je vois tout le temps, je sais pas pourquoi je prends tout le temps comme une. Mais bref, donc celui-ci vraiment il est idéal. Donc si vous aimez pas mettre de fond de teint ou par exemple vous regardez, vous êtes trop jeune, vos parents vous laissent pas vraiment puis tout, mais vous voulez juste camoufler exemple des rougeurs, des petits trucs comme ça ou juste pour des petits trucs retouches, mais que vous laissez votre peau comme ça parce que vous voulez juste pas vous maquiller comme moi en ce moment, c'est correct. Mais moi je vous conseillerais ceci parce que pourquoi? En fait, il n'y a pas de sous-ton, il n'y a pas de trop de. Il n'y a pas de sous-ton, il n'y a pas de trop brillant. C'est tellement pile poil ma couleur de peau. Genre, je pourrais quasiment l'utiliser comme fond de teint. Je suis vraiment étonnée parce que il y a beaucoup de concealer, c'est soit trop clair, soit des sous-tons jaunes, des sous-tons orangés. Celui-ci, j'ai aucun problème avec. Donc, c'est pour ça que moi, je vous le recommanderais à 200%. Surtout que c'est le dupe de marque à une marque plus chère, une marque connue qu'on retrouve au Sephora. Mais que là, vous avez l'opportunité de le trouver en pharmacie. Fait que je trouve ça vraiment génial. Donc, si vous voulez faire des petites économies, moi, je vous conseille beaucoup plus celui-ci que celui de chez L'Oréal Paris. Infaillible, parce que celui d'Infaillible est trop sec. Et la couleur de peau et la couleur avec ma peau, il y a trop de sous-tons. Vraiment, je l'utilise comme vraiment cantaleux, comme si j'ai des grosses imperfections. Mais si c'est pour des petits trucs légers, puis que vous voulez vraiment que ce soit pile poil vos couleurs de peau, comme vous voulez paraître incognito, c'est celui-ci que je vous recommanderais. C'est sûr et certain. Après ça, je vais vous parler de celui-ci parce que ça fait une semaine que je l'ai acheté. Puis, j'arrête pas d'utiliser et je l'adore. Donc, c'est ce fameux produit-là. Donc, c'est un primer pour minimiser les pores de chez e.l.f. Cosmetics, qui veut dire Eyes, Lips and Face. Donc, ça, c'est une marque que, moi, c'est en fait, c'est ma première grande marque, pas trop chère, que j'ai pu acheter et commander en ligne. Tout simplement parce que e.l.f., c'est vraiment l'endroit vraiment pas cher pour trouver des make-up. On peut aussi trouver quelques dupes dedans, comme celui-ci par exemple, qui serait le dupe de chez Tatcha. Tatcha, en fait, c'est une marque un peu plus de luxe que vous trouverez au Sephora, puis pour une petite quantité. Je sais pas si je l'ai laissé ici, mais pour une petite quantité, je l'ai, je vais vous montrer. Pour une petite quantité, donc format voyage, c'était 25 $. Plus les taxes, ça va facilement 30 $ parce qu'on a les belles taxes du Québec. Donc, celle-ci, c'est celle de Tatcha. Désolée, on voit comme pas bien. Donc ça, c'est ça de Tatcha. Puis celle de Tatcha, dans le fond, c'est juste 7 grammes. Donc c'est une base protectrice effet filtre qu'ils disent. Donc, je vais vous le montrer juste ici. En espérant que ça zoome. Oh, je m'excuse. C'est pas. Comme il veut pas zoomer. J'essaie de. Il veut pas. OK. Mais bref, c'est un 5 grammes pour
on va dire facilement 25 à 30 $, d'accord? Et celle-ci, elle m'a coûté 10 $ et son grammage, je pense que c'était facilement 10 ml. J'ai plus le carton avec moi, mais c'est un 10 ml. 10 ml, 10 grammes, excusez-moi. La quantité, on peut le voir là, la quantité est vraiment plus grosse que ça. Je sais que vous allez dire oui, mais ça par rapport, peut-être qu'il est plus large, mais plus petit. Non, si je me trompe pas, celle-là c'est un 10 grammes. Non, même plus. Je sais que le grammage est beaucoup plus grand dans celui de chez e.l.f. que celui de Tatcha. Je me rappelle parce que j'ai fait oh my god. Puis c'était le dernier qui restait quand j'étais au Walmart, fait que j'ai les prix. Fait que je suis pas contente. Au niveau, dans le fond, des comparaisons des deux, moi personnellement, je préfère celle de chez e.l.f. parce que, dans le fond, l'application, je l'adore. Il est pas trop sec, pas trop dur. Alors que celui de Citacha, il faudrait quasiment prendre une cuillère. Regardez comment il a l'air d'être sec. Comme, est-ce que vous voyez le pourtour? Il a l'air d'être sec. Il est plus difficile à mallier le tout. Je sais pas. Moi, je l'aime pas pour ça. Et celui-ci, il est vraiment creamy. Il est vraiment, vraiment creamy. Il est très intéressant. Puis en plus, il minimise vraiment les pores. J'ai l'impression d'avoir mis comme un filtre sur le visage. J'adore ça. Donc, si vous voulez faire des sorties flawless, vous voulez des belles photos et tout, guys, allez prendre le e.l.f. Allez pas dépenser votre argent dans le Tatcha qui est une marque de luxe, by the way. Donc, moi, je vous donne l'opportunité de trouver un dupe. Si vous savez pas c'est quoi un dupe, j'ai fait une vidéo qui explique c'est quoi un dupe. Parce que c'est intéressant de pouvoir trouver des alternatives alors qu'on sait que le produit, moi je trouve le produit un peu beaucoup plus, fois 1 million plus intéressant niveau rendu, qualité, prix que celui de Tatcha. Après, c'est à vous de voir. Après ça, ici, donc vous savez, moi, mon amour pour les fameux cils Kiss. Je vais pas passer des heures parce que vous savez que j'adore cette marque-là. Et c'est une marque en fait qu'on retrouve à grande surface. Et en plus, dans mon Jean Coutu, il était en spécial à 5 $, je pense. 5 $, puis l'ont baissé à 3 $. Fait que j'étais comme, oh my god, puis j'en ai pris deux. Parce que j'adore la marque. Je trouve que les poils des cils font super naturel. Ça fait pas comme plastique rigide. Donc, j'aime beaucoup ça pour ça. En ce moment, je porte ceux de chez H&M. Donc, que j'ai porté, que je vais montrer aussi dans le live. Après ça, encore un autre truc que je ne vais pas passer des heures parce que vous le savez si vous êtes habitué sur ma chaîne. Donc, après ça, c'est le fameux, dans le fond, la colle. La fameuse colle de Kiss. Cette colle-ci, elle est noire. Pourquoi? Parce que souvent, les personnes collent des faux cils puis après ça, ils sont obligés de tracer le eyeliner pour camoufler le tout. Moi, ça ne tentait pas de faire ça. Je voulais skipper cette étape-là. Donc, j'ai pris la colle noire. Petite avant-garde. La colle noire, évidemment, elle est noire. Donc, si vous n'êtes pas habitué à coller des faux cils, ils vont laisser des taches noires un peu partout dans votre beau maquillage que vous avez fait des yeux. Donc, moi, je vous conseillerais, si vous êtes débutant, de commencer avec un transparent et après ça, quand vous vous sentez à l'aise, d'upgrade et d'aller avec un fameux noir. En ce moment, j'ai les mis, ça fait super naturel, ça fait incognito. Là, peut-être que vous pensez que j'ai mis du eyeliner, mais pas du tout. C'est juste cette colle-là, mais j'ai pris noir. J'ai pas pris transparent. Après ça, mon fameux joujou que j'adore et que j'ai comme vraiment abusé, exagéré, on peut même pas voir la marque tellement exagéré. Donc c'est celle de Annabelle, donc c'est un fard à joues. J'ai tellement, mais tellement aimé ce fard à joues qu'on voit même plus les écritures, tout est comme quasiment fini. Je l'adore vraiment, je le porte dans mon cœur. Je sais plus si ils en vendent encore parce que j'avoue que ça fait un bon petit bout que je l'ai, cette fameuse fard à joues là. Donc ça, je peux même pas vous donner une référence comme tout est parti. Je m'excuse. Une autre découverte que j'ai vraiment aimée, donc c'est de la marque Joe Fresh. Donc Joe Fresh, c'est une marque qu'on retrouve dans les maxi essi. Donc quand vous trouvez les essi, ça veut dire qu'il y a d'autres départements. Il n'y a pas juste nourriture, il y a électronique, il y a ci, il y a ça. Donc c'est un fameux highlight ici crème que j'aime parce que je peux faire un rendu super naturel. Vous voyez le rendu? Vraiment naturel. Je peux juste comme oh my god, comme si comme j'ai mon glow naturel et tout, alors que c'est pas vrai, mais pas du tout. Donc, je peux faker. Donc, j'aime ça pour ça, vous voyez. Ça fait un peu un look lustré, comme si que genre un look un peu mouillé. Si je sors de la douche avec ce look-là, mais c'est pas vrai, mais pas du tout. Ça fait un autre effet que les highlights en poudre. Donc, c'est pour ça que je l'aime celui-ci. Donc, je voulais vraiment vous partager parce que je suis pas quelqu'un qui magasine vraiment dans les
section département de cosmétiques au Maxi, mais on retrouve toutes sortes de marques à grande surface, justement, comme Milani, etc., etc. Donc, je me suis dit, ouais, non, pourquoi je vais pas essayer? Donc, c'est Illuminata en bâton et c'est Perle Rose, by the way, la référence de celui-ci. Après ça, deux mascaras, dans le fond, que je portais quand même assez souvent ces derniers temps, je veux dire cette semaine, mais pas juste cette semaine, ces derniers temps. Donc, c'est Maybelline New York, parce que vous savez que j'aime Maybelline. Donc, c'est Total Temptation. Donc, celui-ci. J'ai fait une vidéo ce que j'avais testé avec vous déjà. Et après ça, le fameux mascara que je détestais avant et que maintenant j'aime. Donc, c'est le Unlimited Mascara et c'est de L'Oréal Paris. Il est très bizarre parce que vous pouvez jouer avec cette fameuse courbe ici. Mais en même temps, elle est vraiment pratique pour aller jouer avec les cils inférieurs. Et j'aime vraiment la précision. J'aime le fait que son applicateur, en fait, il est en plastique. Donc, ça permet de ne pas avoir de grumeaux. Il y a des micro, petites comme pointes qui permettent d'aller chercher un peu dans les spots un peu plus difficiles. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, finalement, je l'aime. Donc, voilà. Je voulais vraiment vous le montrer pour ça. Après ça. Donc, encore Maybelline. Je suis carrément pas. Je vous ai dit que j'aimais Maybelline. Vous avez pas de me chicaner. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ok. Après ça, j'ai presque fini, là. Pour une petite partie. Après ça, j'ai le fameux traceur à sourcils. Donc, c'est Brow Ultra Slim. Donc, c'est un crayon Maybelline. Oui, mais je cherche la référence. Ok. C'est 262 Black Brown. Donc, 262 Noir Brun. Et il est génial. J'ai fait mes sourcils avec aujourd'hui. Donc, il est vraiment génial. Après ça, un autre, mais que j'ai pas utilisé aujourd'hui, c'est un de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est le Micro Ink Pen. Donc, by Brow Stylist. Et dans le fond, c'est un feutre qui permet de tracer tes sourcils. Et qu'est-ce que j'aime avec ça, c'est que c'est vraiment efficace si tu n'as pas le temps. Si tu dois faire ça rapido presto. Faites attention, par exemple, à la petite courbe ici. Là, il y a des micro petits points. Ok, faut pas vous occuper de ça. Juste tracer ce que vous avez à tracer. Là, c'est comme un feutre. Ça se fait vraiment bien. Il n'est pas trop foncé. Mais en même temps, oui, lorsque vous avez passé avec une bonne pression. Donc, faites attention à ça. Mais il est vraiment pratico-pratique. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai en arrière. Ok. Donc, je voulais juste vous montrer. Oups. Désolée, j'ai fait une petite gaffe. Je voulais juste vous montrer, dans le fond, les pinceaux. Un de mes premiers pinceaux à vie que j'ai acheté avant de commencer vraiment dans le make-up, c'est des pinceaux à grande surface. Puis j'en trouvais pas vraiment beaucoup à l'époque quand moi j'avais commencé. C'était vraiment vers la fin de mon secondaire, genre. J'ai commencé fin secondaire 4 pour me rendre au 5, vu que là c'était le bal de finissant, la photo ici et ça. Puis je voulais un peu commencer à me maquiller parce que j'avais arrêté, comme j'avais expliqué dans la vidéo, par rapport à moi, ma peau, etc., etc. Donc c'est un peu parti, mais c'est écrit Style Essentiel Détente. Donc c'est essentiel pour le spa. Puis ça, vous allez trouver ces pinceaux-là au Walmart. Je vous explique où. C'est à côté de la section où c'est les vannes à ongles et tout, ok? Puis là, vous allez trouver ce pinceau-là, mais vous allez trouver d'autres. C'est un kit. Puis si je ne me trompe pas, c'est à peu près 14 à 15 $. Puis c'était les moins chers que j'ai trouvé que je pouvais avoir accès. Parce que pendant ce temps-là, j'avais encore mes e.l.f., mais c'était pas assez. Puis je trouvais que la qualité de ces pinceaux-là était vraiment au rendez-vous pour le kit. Ça faisait vraiment mon affaire. Je connaissais pas vraiment Real Technique. Donc j'ai vraiment été avec cela par rapport à vraiment la qualité du pinceau. La qualité est au top. Dans le fond, c'est vraiment un petit kit de base. Je pense qu'il y a 5 pinceaux dedans. Mais vraiment, ça faisait mon bonheur. Puis j'étais super contente. Donc j'ai vraiment débuté avec des pinceaux Walmart. Après ça, ici, c'est un pinceau de e.l.f. Les e.l.f., les blancs comme ça, ça c'est les plus cheap, là. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près 2 $ que vous pouvez trouver. Faites attention, il y en a quelques-uns là au niveau d'ici, vu que c'est un bois, ça s'enlève super facilement. Faites attention, vu que c'est plus cheap, vous pouvez avoir ce petit pépin-là. Sinon, au niveau du poil, pour certains pinceaux, ça va. Les gros pinceaux fluffy. Je déteste le poil, il est trop rigide. Donc, je m'en vais avec la nouvelle collection qui est avec le bâton transparent, tel que celle-ci.
Sauf que celui-là est un peu plus cher, mais quand même, c'est un des pinceaux que vous pouvez trouver à grande surface. Après ça, ici, en parlant de pinceaux à grande surface, je vais vous montrer deux fameux pinceaux ici que j'utilise. C'est des pinceaux du Dollarama, donc comme celle-ci, c'est de jolie couture. Donc, vous pouvez voir que je l'ai utilisé et aussi pour faire mon look d'aujourd'hui. Et ici, c'est un pinceau super doux. Ils sont vraiment doux, les pinceaux du Dollarama. En tout cas, ceux que j'ai achetés, que je vous ai montrés, sont super doux. S'ils ne sont pas, je vous le dis. Donc, ici, c'est Studio Stylist. Et qu'est-ce qui est nice, c'est qu'ils te disent à quoi ça sert. Fait que, tu sais, quand tu es débutant, tu sais pas trop trop, c'est vraiment une bonne référence. Moi, quand j'ai commencé en make-up, les pinceaux du Dollarama étaient vraiment cheap. C'était carton, ça faisait super mal. Puis, je faisais pas confiance, fait que je les achetais pas. Mais là, je vous promets que ça a vraiment upgrade. Donc, par exemple, ici, c'est Keep Powder. Donc, tu sais que c'est vraiment un pinceau pour poudre. Donc, ça t'aide. Puis, en plus, c'est pas trop cher. Après ça, on va aller avec le Real Technique. Parce qu'après ça, bien évidemment, j'ai connu le Real Technique. Donc, le Real Technique aussi, il y a des pinceaux qui sont super bons, vraiment indispensables. J'en ai quelques-uns de Real Technique. J'en ai pas une panoplie. Mais il y a les pinceaux, il y a les éponges que vous pouvez aller regarder pour Real Technique. Et en plus, il y a même un peu plus que ça que j'ai caché en arrière que je vais aller chercher dans quelques instants. Donc, je vais bientôt terminer, promis. Donc, dans les Real Technique, il y a des petits accessoires tels que celui-ci. Donc là, ça vous permet de nettoyer vos pinceaux. Donc, c'est un gel. Il y a aussi des petits trucs comme ça. Désolée que c'est comme, c'est un peu sale, mais j'ai pas été capable d'enlever plus que ça. Donc, des fameux produits comme ça. Donc, ça, par exemple, je l'ai acheté où? Celui-ci, je l'ai acheté au Dollarama. Celui-ci, c'est de la marque personnelle. Donc, ça, c'est des petits outils qui sont quand même assez intéressants et tout. Mais Real Technique aussi en a leur propre à eux. D'accord? Donc, ça aussi, c'est intéressant. Après ça, pour conclure le tout, j'ai quelques derniers make-up à vous montrer. Je vais essayer d'aller rapido presto pour pas que la vidéo soit trop longue que vous me tuez. Mais je suis sûre que j'ai un petit peu manqué. Fait que c'est pas si pire que ça. Bref. Ok. Donc, le e.l.f., c'est le 16h Camo Concealer. Celui-ci, il est trop, 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 trop clair pour moi. Il sèche vraiment rapidement. Je déteste ça. Oh, tu sais ça. Ok, il sèche vraiment rapidement. Je déteste ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Puis que je trouve que c'est de baisse pour moi. Puis je veux pas aller vers un autre. Je l'utilise comme un base à fard pour mettre mes fards à paupières. Et sérieusement, je me vois pas prendre un autre alternatif. Vraiment pas cher. Celui-ci, je vous le recommanderais à 2000%. Encore une fois, grande surface. Après ça, ici, pour tout ce qui est les sticks comme ça de Maybelline New York. Moi, je n'utilise pas comme fond de teint pour vraiment ma peau. J'utilise, par exemple, pour le réchauffer. Donc, j'utilise une teinte plus foncée pour faire mes contours. J'utilise aussi celle pour tout ce qui est blush. Le même type comme ça. Il est super génial. C'est vraiment pas cher. Donc, voilà. Moi, je vous conseillerais vraiment, vraiment d'aller regarder pour tout ce qui est stick. Pas nécessairement comme concealer, mais pour faire le pourtour, pour l'utiliser en blush. Oh, il est génial en blush. Il y a un petit fini scintillant, mais pas trop comme ça. Si t'as pas d'allure avec toi, legit, t'es incognito, ça va super bien se passer. Et le dernier fond de teint que je vais vous présenter, c'est celui de chez L'Oréal Paris. Donc, c'est Infaillible Pro Matte. Évidemment, vous savez, ma peau, elle a besoin de ça. Pas en ce moment, donc je ne l'utilise pas en ce moment, mais c'est vraiment un que j'aime parce que dans le fond, il matifie ma peau, mais il donne un certain glowy sans trop exagérer et ma peau respire, guys! Ça, je suis vraiment contente pour ça. Donc, ça, c'est un que j'aime beaucoup. Donc, là, je vais regarder pour les palettes, pour vous conseiller des palettes que vous pourriez peut-être aimer, etc., etc. C'était un petit peu difficile pour moi de vous conseiller des palettes tout simplement parce que j'ai pas de gros coup de cœur palette en pharmacie pour de vrai. Donc, je vais vous montrer un que j'aime, puis je vais vous montrer un flop. Donc, celui que j'aime, qui est pas si pire, qui fait l'affaire, en tout cas, à d'autres qui a fait la job, c'est celui-ci de chez Physical Formula. D'accord? Et vous voyez, les couleurs sont pas non plus extra comme « Wow, oh my God! » Mais j'ai autant des couleurs chaudes et froides. Je peux faire des transitions. Donc, j'ai trouvé que c'était une palette qui avait quand même de l'allure, là. Il y a quelques fards qui sont pas autant comme j'aurais voulu, mais sérieusement, c'est la seule palette à date en grande surface que je trouve qui fait la job, donc qui a du sens pour moi, donc c'est celle-ci.
Et celle que je suis vraiment déçue parce que j'ai vraiment grugé. Faut vraiment... Ben, je suis déçue, puis pas déçue. Je suis déçue parce que je voulais qu'elle ait plus de pigmentation. Mais on peut aller chercher la pigmentation si vous avez une bonne base. Si vous êtes capable de bien taponner pour déposer votre fard. Et aussi si vous blendez bien comme il faut le tout quand c'est temps de blend. Donc c'est cette fameuse palette-là. Je suis un peu déçue de la montrer parce que elle a son bon côté, son mauvais côté. Son mauvais côté, c'est qu'il y a plusieurs fards qui n'ont pas de pigmentation. Donc, si vous ne mettez pas de base, c'est quasiment dead. Vous devez mettre une base pour être sûr et certain que ça tient. Parce que sinon, ça va vous lâcher. C'est sûr et certain. Elle n'est pas si mauvaise que ça non plus. Mais faut mettre une base. Vous devez mettre une base. Si vous ne mettez pas de base, comme je vous ai dit, c'est dead. Tu vois, comme lui, il tient vraiment pas. Ces deux couleurs-là tiennent, mais celle-ci, ça tient pas. Donc, il y a des fards dedans qui causent certains problèmes, qui est un peu plus dur à travailler. C'est pour ça que j'ai un peu mis dans mes flops. Il y a plus de fards plus difficiles à travailler que l'autre. Et le fait qu'on est obligé de mettre une base pour pouvoir voir quelque chose, parce que sinon, pour de vrai, c'est un peu plus difficile. Est-ce que c'est juste sur moi? Est-ce que c'est juste parce que si, parce que ça? Moi, je vous donne mon point de vue par rapport à cette palette-là. C'est sûr et certain que parfois, elle tombe en spécial. C'est pas si pire que ça si vous l'achetez à peu près une quinzaine de dollars. Mais si c'est pour payer 20 dollars, gardez un autre 20 dollars. Ça va vous faire un bon 40 dollars. Puis vous pouvez acheter une palette un peu plus pro au Sephora. Puis ça va faire la job. Mais moi, je voulais vous montrer, dans le fond, quelques petits make-up, skincare à grande surface que moi, ces temps-ci, j'aime, des petites remarques que j'ai faites. Donc, je voulais prendre le temps de vous partager le tout. Donc, là, c'est des make-up pas trop chers, des trucs que vous êtes capable de vous débrouiller. Donc, là, maintenant, je vous laisse à vous de regarder. C'est à vous de jouer, c'est à vous de faire le tour, c'est à vous de tester, de swatcher et de regarder. C'est en ce moment que c'est pas le temps de faire ça parce que là, on est en quarantaine. De toute façon, je pense même pas qu'il y a des testeurs de disponibles parce qu'avec les virus qui se promènent, c'est pas le temps. Mais lorsque le temps va revenir, moi, je vous conseillerais de faire quelques petits tours en grande surface, en pharmacie, pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Surtout, je vous souhaite de passer des bons moments de confinement. Est-ce que ça se dit bien? Est-ce que vous allez fâcher comme moi si je vous dis ça? Parce que je suis pas trop sûre. Bref, passez un bon moment quand même avec ceux que vous aimez. Profitez-en. Vous êtes à la maison, tranquille, chill, etc., etc. Pendant que, dites-vous que plusieurs, c'est triste à dire, mais plusieurs ne sont pas bien, ils sont malades, etc., etc. Donc, au moins, le seul truc positif, c'est que vous, vous allez bien. Donc, ça, c'est ce qui est important, en fait, pour ceux qui vous entourent. Pour moi aussi, parce que je vais vous revoir, je vais être sûr et certain que vous allez bien. Donc, voilà, le tout a été fait. Donc, comme je dis, c'est ce type de vidéo-là que je vais poster pour les prochaines semaines à venir. Ça va ressembler à cette formule-là de vidéo. Donc, voilà. Bye, les filles.